Big Joe, la Cropodé. On est le samedi 25 novembre 2023 et nous sommes au centre Vidéotron de Québec. Donc encore une belle cavalerie. Il y a souvent les mêmes, Sébastien, moi, Alexandre, Tom. Tom, c'est celui qui avait le W900 rouge avant, mais il a pété le moteur, donc c'est un broker aussi. Donc là, du coup, il a pris le Western. Et puis là, il y a Martin. Martin, c'est un chauffeur du bois qui est depuis longtemps, je connaissais déjà avant. Et là, donc là, nous sommes au centre Vidéotron de Québec. Nous sommes au centre Vidéotron de Québec pour le show de Big Flo et Oli. Alors certains ont dû voir hier soir, j'ai fait une petite photo avec Flo et Oli. Donc là vous avez les bus tours. Voilà, ça c'est le bus des artistes. Ils sont partis hier soir de Montréal. Il fait froid ce matin là, je sais pas combien il fait. Ouais, moins 10, ressenti moins 15. Donc voilà. Donc en fait, on est parti hier soir ensemble de Montréal. On a chargé les accessoires de show. On est parti 1h30. Donc ça, c'est un broker aussi du bois. Ça, il fait partie de la compagnie Dins. Dins, je vous en ai déjà parlé. Vous savez, quand je vous ai montré le 362 Peterbilt. C'était cette compagnie là. Donc il y en a un ici, il y en a 5 dedans. Il y a les deux tourbus qui sont là. Il reste un truc à vider. Ils installent ce matin, ils font le show ce soir et ce soir on récupère tout le matériel. Donc là, d'après ce qu'on m'a dit, il y a le bus de Flo et le bus de Oli. Voilà. C'est des beaux bus. Hein. Alors hier soir on a eu peur parce qu'on est sorti de Montréal ensemble. Et comment dirais-je. Il y a un bus qui est tombé en panne. Je sais pas s'il est tombé en panne ou quoi. Et en fait, ils sont arrêtés sur le bas-côté. Là, et puis, les deux se sont arrêtés. On pensait qu'il y avait un problème. On a hésité à s'arrêter. Finalement, on s'est pas arrêté. Et on cherchait à savoir qui c'était. Tout à l'heure, la compagnie, c'est Gypsy Wind. Donc, dans les bus, vous avez Big Flo et Oli. Tout le staff. Big Flo et Oli, accessible. Vraiment, j'osais avec eux 2 minutes. On va essayer de se revoir ce soir. Ils m'ont dit repasse nous voir demain soir à Québec, c'est un peu plus calme. L'avantage ici c'est que à Québec, vous voyez, on a toute la place pour nous là. Ben, je vous avais déjà montré quand on a fait Pied et Méthode, c'était déjà ici là. Et là du coup il n'y a personne d'autre qui vient, ce qui fait qu'il n'y a que nous. Alors la sécurité est un peu plus cool quand on est là. Voilà. Donc lui va rester là toute la nuit, toute la journée. On récupère les choses soit, puis moi je suis aux deux. Et puis les 5 autres trucks sont là-dedans. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les bus tours. Pour ceux qui ne sont jamais montés dedans, bah, c'est des camping-cars. Hein. Il y a des bureaux, des toilettes, des tout ça. Mais ici, il y a des douches, il y a de tout. Voilà. Donc il y a les deux, mais il y a du monde. Hein. Hier, je discutais avec je pense que c'est la manager de Big Flo et Oli, qui était super gentille. Elle me disait, on est complètement éclaté parce que ils sont arrivés le matin, ils ont fait les shows, ils ont fait le show. Ensuite, hier soir ils ont fait le show, ils ont vu quelques personnes, et puis ils sont repartis, ils ont roulé là cette nuit, ils sont arrivés avec nous ce matin, il était 4h30 à peu près, 4h30, 5h moins le quart. Donc là ils vont se lever, il y a un gatherwing à l'intérieur que je vais vous montrer, où on peut manger, il y a de quoi prendre des douches. Et eux ils ont des loges à eux là, j'entends bien. Et puis après ils vont se préparer, ils vont sûrement aller se promener. Moi tantôt je vais manger avec Titi et Lolo, des abonnés là, des Français qui étaient en Floride avant et qui sont arrivés ici maintenant. Donc voilà, je sais pas si on les verra plus tard, je ne veux pas les emmerder parce que je ne veux pas les emmerder. Des gens ils en voient tout le temps donc... Donc voilà, on va aller voir le gathering, mais ça doit être les chauffeurs de Bess.
Ouais. Long boulot. C'est un boulot cool, hein, chauffeur de bus tour. Bah, il y a des artistes qui sont cool. Franchement, hier soir, je pensais pas pouvoir les faire une petite photo avec eux, puis jaser avec eux. Puis en fait, les gars de la sécurité, ils nous connaissent à force. Les gars de chez Dubois. Du coup, comment dirais-je? Je suis allé voir, j'aimerais jaser 2 minutes avec eux, prendre une petite photo pour montrer ça à mes filles et tout. Et elle dit ouais, mais il faut voir que la sécurité de Biclo et Oli, machin. Et puis à un moment donné, Oli est arrivé, je dis est-ce que je peux faire une petite photo avec toi? Puis ouais, bien sûr, pas de soucis et tout, t'es doux, machin, ben là, ici. Ok, mais j'ai dit, y a ton frère avec toi, j'ai les deux. Il dit ouais, bah dis, t'attends 5 minutes, on sort et puis voilà. Puis moi, entre temps, il a fallu que je me. Enfin, pas entre temps, j'attendais pour me mettre au doc, donc à un moment donné, il a fallu que j'aille au doc. Alors du coup j'ai recroisé Oli puis j'ai dit Oli, y a-tu moyen de faire la vidéo maintenant, pas la vidéo, la photo maintenant là. Parce que je dis faut que je le mette au doc. Pas de trouble, on va faire ça. Donc voilà. Bon, je vais pouvoir rentrer. Donc ben, ça je vous avais déjà montré. Même les stages, là, le temps qui monte, c'est uniquement le temps qui monte. Est-ce que vous êtes en production? Ben, je suis chauffeur de truck. Non? Non. Ok. On peut pas filmer du tout l'intérieur. Ça marche. Merci. Bon, ben voilà. La scène est prête, quasiment. Je suis obligé de filmer avec mon téléphone parce que... L'agent de sécurité, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ne veut pas que je filme... avec ma go. Donc la scène de Big Flo et Oli pour ce soir. C'est déjà prêt, hein, ils ont commencé à 8h ce matin. Il est 13h30. Quelques petits réglages, mais c'est malade. Là, c'est le centre vidéo 32 Québec. Voilà. À Montréal, c'est le centre Bell. Ici, c'est le centre vidéo 3. C'est deux fournisseurs de téléphonie. Bon là c'est la première partie de Big Flo et Oli qui règle. Je sais pas qui c'est. Hein. Je verrai vous-même. Devient infernal, moi j'ai jamais mal de mer, pourtant des fois ma mère a mal. C'est bon. Qui est dans ma chambre, j'écris des textes au lieu de faire mes devoirs. Il est 11h30 du soir et j'en ai marre parce que elle voit que son fils a grandi. Je veux plus qu'elle s'embête, j'aimerais juste qu'elle prenne le temps. J'ai des idées plein la tête, je veux lui battre un temps. Des fois je m'inquiète car je vois qu'elle prend de l'âge. Son fils a grandi, je veux plus qu'elle s'empête, j'aimerais juste qu'elle prenne la main. Elle des idées plein la tête, je suis venu bâtir un empire. Des fois je m'inquiète car je vois qu'elle prend de l'âge. Vous voyez, ils installent de l'eau pour les gars de la sécurité ce soir. Léger. Mais je préfère anticiper. Yeah, il nous reste combien de temps là les gars? Un, deux, mic check. Ok. Yeah. Ok.
Je finis jamais mes couplets. Un jour ils finiront par m'écouter. Si tu prends de l'œil comme on devait, on va dans les découpés. J'arrive comme Thor, comment tu mets comme Ton, comme Ton, pas de blé. Je m'attends à comme Ton. Mais toi, t'as 0 sur ma peau. Je connais ceux qui se baladent à nous dans un sac à dos. J'ai pris l'habitude de parler seulement quand tu poses terre. J'ai pas du tout à voler, faut que je joue les gangsters. Fuck you, t'es pas concis, toi. Je dis ça, je me confie pas. Ils ont dit que j'étais le meilleur de ma génération. Et moi, comme un con, j'y crois. Je suis dans ma sphère, ne parle pas trop. J'ai pas que rêve, gros, j'ai pas le macro. On te prie, tu comptes à l'écrit. C'est vraiment cool parce qu'en fait tout à l'heure j'ai mangé avec Big Flo et Oli, j'ai même José avec Oli, c'était cool. Et puis bah là le show a commencé, là je vais vous emmener voir ça, je me suis mis un peu à l'écart pour que vous puissiez m'entendre. Et ouais, c'est vraiment cool, vraiment les gars super gentils. Déjà hier soir José une petite minute avec eux, là, on a fait la petite photo. Et puis la soir, ils ont mangé là, on se touchait les coudes, là. Et puis j'ai jasé, 2-3 minutes avec Oli, c'était vraiment cool. Donc là, je vais vous emmener voir le show vite fait, 2 minutes. Espagnol, je le comprends, mais je parle avec des fautes. Fier mes racines, j'écris pour me faire pardonner. De la page tourne en rond comme le maire en deuil de la place de mai. Ton fils ne parle que de toi, les dates et les photos. Les anecdotes sur ton époque, en guise de chrysanthème. T'entends ça bien l'Europe, mon père t'a quitté trop tôt. Et je le ressens dans ses je t'aime. José, est-ce que t'es fier de lui? Est-ce que t'es fier de nous? Toi qui tissais tes nuits autour d'une lampe à pétrole. Toi l'argentin pudique, avec des valeurs jusqu'au cou. T'aurais applaudi mes chansons sans même comprendre les paroles. Engagé dans tes choix, militant dans tes vœux. Main tendue pour tous ceux qui dormaient sans le toit. En interview, je suis perdu, la politique m'intéresse peu. Toi, t'aurais fait un assado avec ma langue de bois. On s'est raté de peu, ouais. J'imagine ma tête sur ta main, à boire un maté, à écouter le feu qui chuchote. Papa m'a dit que ton doigt en moins a été volé par un moulin. Peux-tu raconter que mon grand-père, c'était Don Quichotte? Et José, tu sais comment? Au milieu de la pampa, quand tu travailles dans les champs, à guider les vaches dans la nuit. Tu montais à cheval, putain. Faut me voir aujourd'hui sur ma trottinette électrique à ralentir qu'il y a trop de pluie, ouais. Et c'était quoi tes samedis soirs? Moi je sais pas danser le tango, je suis derrière le DJ au fond du bar et j'ai pas appris la guitare, mais l'amour de la rime. Donc promis, je gonfle le torse de ton nom de famille. L'origine est éternelle, elle brille quand on parle d'elle. Dans la page tourne en rond comme un vinyle de Carlos Gardel. Et j'aimerais ralentir ce temps qui va trop vite, assis sur la branche de mon arbre généalogique. Quand gâteau de cambia, le temps nous fait croire que c'est facile. Rena, j'imbibe l'insa, que deviendraient les feuilles sans les racines. Amar, comment ça va? C'était comment dans ta jeunesse? Au fond, comment savoir, toi? T'es mort avant que je naisse. Beaucoup de choses nous séparent. Y'a quelqu'un à l'appareil? À cette époque, rien n'est pareil. Et y'a le temps comme un rempart. Il travaille, on te parle comme de la paresse. Allez, bye. Amar, j'ai qu'une seule. Et je sais qu'elle me voit. Parce que je la vois aussi. Là, dans la monde, tu dois. Et ça devient impossible. Un jour, je serai vieux. Pour passer moi qui tremble.
Merci beaucoup. Merci. Bordel. Ah ouais, donc c'est ça en fait, Québec c'est aussi chaud que ça. Ok, on n'avait pas parlé de ça. Merci pour l'énergie, c'est bien. Je vous dis la vérité, on a, quand notre producteur nous a dit franchement on pourrait faire une salle à Québec, on s'est dit ah je pense pas qu'on soit aussi connu pour faire une salle comme ça et tout ici. Et ce soir on est 7000, donc merci beaucoup d'être là, franchement on a réussi. Voilà, là j'en ai pour mon argent, là j'ai bien dépensé mon fric. Là. Ah même là-haut, vous allez bien tout là-haut? Je sais pas si vous êtes. Je sais pas si tout là-haut vous êtes des VIP ou si c'était les places les plus chères ou les moins chères. Je sais pas du tout comment ça marche ici. Ok, on vous voit, merci d'être là, merci d'être présent ce soir. Merci à tous. C'est bon, c'était juste vérification bracelet, c'est bon. On va apprendre à se connaître un peu. Pour les plus 1 qui ne nous connaîtraient pas vraiment encore, Big Flo et Oli, on est deux frères, déjà on est frères. Et même si on est frères, on est très différents, ok? Je tiens à le dire, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui sont venus ce soir entre eux, ensemble. Souvent, je reçois des messages sur Insta ou alors on me croise dans la rue et on me dit mais putain, mais toi avec ton frère, vous êtes tellement comme ça, moi je m'embrouille, etc., c'est pas pareil. On s'engueule tous les jours, toutes les 30 minutes environ, ok? Ne vous inquiétez pas. C'est normal de s'embrouiller. Parce que beaucoup de gens pensent que tu sais, c'est tout le temps. Ça va, Olivier, ensemble toujours, let's go. Non, des fois, petit conseil pour les petits frères, pour calmer un grand frère, des fois vous lui faites un câlin, il la ferme un petit peu, ça fait du bien. On est très différents, un peu yin et yang. Quasiment les inverses. Ça doit vous arriver des fois. Tu regardes ta mère et tu te dis comment on a pu sortir de la même personne. C'est impossible. Et ça, c'était le cas déjà depuis qu'on était petit. Moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer dans ma chambre aux jeux vidéo. Je jouais à la PS1, Spyro le Dragon, Crash Bandicoot, tous ces jeux d'anciens. Les anciens, on est là. On est encore là. On va pas se laisser bouffer par les petits jeunes, je vous le dis, moi. C'est vrai. Et Oli, toi c'était différent, toi t'es déjà les jeux vidéo, tu t'en fous, je sais pas pourquoi. Tu squattais la Play, donc je pouvais pas jouer, donc j'ai dû trouver d'autres occupations. Je faisais la technique de faire semblant de brancher la manette, vous la connaissez celle-là. Et tu laisses le petit faire les trucs, c'est moi j'étais tout l'inverse, je passais ma vie dehors, j'étais à la recherche de je sais pas quoi, mais je cherchais, ok? J'étais une sorte d'archéologue comme ça, social, je me baladais comme ça. Une tête chercheuse? Ouais, assis-toi, c'est bien aussi. Yes. Je me baladais comme ça dans le quartier et un jour, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. J'ai rencontré une vieille dame qui est devenue mon ange gardien. C'est devenue ma grand-mère d'adoption. On a passé un jour, deux jours, une semaine, un mois, des années ensemble. Elle m'a appris plein de choses. La poésie, on avait plein de discussions philosophiques. Elle m'a donné beaucoup d'amour et malheureusement, malgré elle, elle m'a appris mon premier rapport à la mort, mon premier deuil. Elle est partie sans prévenir et ce jour-là, j'ai eu comme une sorte d'énergie triste mais qui est devenue une force. Je crois que ça s'appelle l'amour de proche. Et j'ai vu la vie différemment, j'ai voulu profiter de chaque seconde, chaque matin, je pense à elle, je pense à la chance d'avoir une bonne santé, d'être en vie, d'être ce soir devant un public, de profiter avec mes amis sur scène. Et particulièrement dans ce morceau, dans les 4 premières phrases, je raconte un peu son histoire. Le morceau s'appelle « Les gens tristes » et je lui rends hommage ce soir. Good vibrations.